Deuxième type d'exercice avec les tableaux de proportionnalité. Nous savons ici que nous avons affaire à un tableau de proportionnalité. Dans ce deuxième cas, il est difficile de trouver le coefficient. Là, nous ne sommes pas dans l'étape de multiplication. Ça serait faisable peut-être en posant une division, mais nous allons voir qu'il y a une astuce qui nous saute aux yeux, puisque on voit que 3 plus 5, ça donne 8. Donc si je travaille en colonne, la première colonne plus la deuxième colonne est égale à la troisième colonne. Donc je vais faire la même chose en dessous, sur la deuxième ligne. Je vais calculer 14,4 plus 24 pour trouver x. Donc comment rédiger? Je dis que c'est un tableau de proportionnalité. Je dis que 3 plus 5 ça fait 8, même si c'est quelque chose d'évident. Ça prouve ma façon de réfléchir, et j'en déduis donc que x est égal à 14,4 plus 24. Autrement dit, x est égal à 38,4. Alors, si je rédige ça correctement, cela donne ceci. Je dis bien que c'est un tableau de proportionnalité, je dis bien que je trouve 8 en faisant 3 plus 5, je monte mon calcul et j'affiche le résultat.